Moi, je fais pas de caviar ici. Parce qu'il n'y a jamais de caviar en Bretagne. Voilà. Et que ça ne me correspond pas en plus dans ma cuisine. Donc non, j'ai pas de caviar. Alors d'abord, je suis breton, de la pointe Finistère. Je suis né ici, à Quimper, mais j'ai vécu toute ma vie ici parce que c'est la maison de ma grand-mère. Ma mère a fait la cuisine derrière et moi, j'ai repris. Donc ici, c'est mon lieu, c'est mon endroit. Et je dirais, c'est un cuisinier breton qui fait une cuisine du pointe Finistère dans le Finistère. C'est vrai que le blé noir a été mon premier angle d'attaque pour raconter une histoire, et cette histoire qui me plaît, qui est mon histoire d'ici. Voilà. Après est arrivé le tripier marin, ce fameux tripier marin, pas le terre-mer, le tripier marin, qui est beaucoup plus pointu, ce que j'appelle tous les intérieurs d'animaux, les riz de veau avec des langoustines, pieds de cochon avec des coquillages, boudin noir et langoustines. Voilà. Est arrivé en seconde partie parce que ce sont mes deux piliers. Et puis aujourd'hui, en troisième partie, j'allais dire, on est sur des produits qu'il faut mettre en avant, mais en netteté et en pureté. Alors, je vais être un peu prétentieux. Je pense qu'à notre niveau, dans le style de restauration qu'on fait aujourd'hui, ce qu'on fait nous et d'autres, hein, d'autres collègues, c'est qu'on éduque les gens et on éduque leur palais. Ça va de Brest jusqu'à la forêt Fouesnant, Presqu'île de Crozon jusqu'à Carhaix. Voilà, c'est Pointe Finistère. Là, on a des produits à nous et il y a une vraie belle diversité. Et ça, c'est important. Donc, circuit court, respecter les saisons aussi. Et puis, mettre en avant, aujourd'hui, il y a des saisonnalités pour la pêche, pour la viande, pour les légumes. Ça, je pense qu'il faut axer encore plus et être encore plus sévère pour ceux qui ne le font pas. Le niveau n'a jamais été aussi élevé aujourd'hui en France, je pense. Et localement, il y a une jeune génération qui arrive, donc qui aujourd'hui pousse le curseur, donc faut se bouger. Je dirais qu'entre le moment où je l'ai eu et aujourd'hui, la cuisine a évolué et elle est devenue encore plus pointue avec une grosse identité. Donc c'est vrai que c'est une remise en question perpétuelle. Ça, l'excellence au quotidien, c'est très très difficile. Je vais vous dire quelque chose, faire plaisir aux gens, ça nous fait mal. Voilà, parce que on n'est pas dans la. Je suis quelqu'un qui ne supporte pas la médiocrité. Donc quand je demande beaucoup à mes gars, des fois c'est vrai que c'est très très dur. C'est très dur parce que la régularité, la rigueur et l'excellence, c'est pas facile. Alors, l'emblème du village, l'écusson, c'est Adiben Rimbendez. Chaque jour, je revivrai. On y va? Vas-y. À la terre. On y va. C'est Olivier Bolin et c'est breton.